Allez, on se retrouve pour le deuxième boss en mode héroïque de la troisième aile de Black Rock Mountain. C'est, je pense, le pire des trois. Parce que vu son pouvoir héroïque, ça devient hyper aléatoire. C'est soit votre pioche est bonne et vous gagnez, soit vous avez pas de chance et puis vous faites rouler dessus rapidement, quoi. Le pouvoir héroïque, toutes les cartes coûtent 1. Lui, il passe toute la partie avec 2 cristaux de mana, donc ça veut dire qu'il joue à chaque tour 2 cartes. Et vous n'avez qu'un cristaux de mana, donc vous ne jouez qu'une seule carte. Donc c'est soit. Donc, je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai pris le druide. Donc, le druide, pourquoi pas? Enfin, uniquement parce que sa légendaire Cenarius fait popper en plus de Cenarius de provocation de 2. Alors même si c'est que des 2-2, ça permet de tanker, ce qui est plutôt pas mal. Mais ensuite, on peut envisager de prendre un autre héros. Là, c'est c'est pas forcément très important, je pense. Malfurion versus General Drakissa. What are you doing here? I must protect the wild. Ça, c'est vraiment la carte clé de ce deck. C'est Kel'Thuzad. Ne surtout pas jouer au tout début. Mais c'est peut-être ça qui va nous sauver la partie. Are you here to help me destroy the mortals of this world? I will protect the spire. Was the one who took care of Ragnaros for us. Yes, Rakus. Adventurer, you are still on the wrong side of the mountain. Minions, servants, soldiers of the Lord, obey the call of Kel'Thuzad. Look, go play some ranked mode. This adventure is not for you. The gates are open. Il est tout à fait possible qu'à ce moment-là du tour, il nous ponde le sort du démoniste qui est de détruire tous les serviteurs. Je veux dire,
ce serait moche. C'est peut-être le moment de jouer Tree of Life. Parce que là il est à 48. Moi je suis qu'à 12. Ça a l'avantage de redonner 4 points de vie à Kel'Thuzad et donc d'être hors de portée de Flamestrike. Et ça m'évite, si par exemple il se fait, lui se fait tuer, que je me fasse finir par ces deux couillons là. Mais surtout, je vais pas les tuer parce que sinon j'ai peur qu'ils me pondent son sort. Et on va rigoler. Ah, raté. Alors je vous montre le deck. Donc pourquoi j'ai pris le druide, je vous l'ai dit tout à l'heure. Déjà Scenarius permet d'invoquer deux serviteurs avec provocation. Alors même si c'est des petits serviteurs, ça permet de tanker. Donc c'est vraiment le gros avantage du deck druide, c'est Scenarius et Tree of Life qui permet de remettre tous les caractères à pleine vie. Alors sachant que le boss lui démarre avec 30 points d'armure, avant de s'attaquer à sa vie, il sera passé déjà quelques tours. Mais vous aurez déjà pris très cher. Starfall, on sait jamais, quand même des sorts dégâts de zone à combiner avec Maligos. Donc ça ferait Starfall, ça ferait 7 points de dégâts de zone pour tous. Ensuite, les cartes classiques, Fugen et Stalag. Bon, Fugen n'est pas génial puisqu'elle a que 4 points d'attaque. Mais au moins ça permet d'invoquer Thaddeus qui est une 12-12. Des provocations, il en faut quand même pas mal. Donc Sludge Belcher, parce que Saral d'Agonie invoque une autre provocation. Sunwalker, parce qu'il a un bouclier divin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, le protecteur. C'est une provocation avec 8-8, c'est quand même des stats plutôt cool. Kel'Thuzad, c'est vraiment la carte clé de ce deck là. Et je pense de n'importe quel deck, quel que soit le héros que vous prenez pour affronter de ce personnage, c'est celle qui va vous sauver la partie. Ensuite on prend tous les serviteurs FAT, hein, tous les géants 8-8, on les prend. Alexstrasza, ça peut être une carte qui vous fait faire GG dès le début de partie. Une fois que, quand vous avez retiré son armure, qu'il est à 50 points de vie, vous faites Alexstrasza et hop, la partie est torchée. Alors lui, je l'ai rajouté. On n'a pas eu l'occasion de la jouer, mais vu qu'on a, on n'a pas non plus beaucoup de dragons, on n'a que Alexstrasza et Maligos. Mais ça permet en cri de guerre de détruire un serviteur adverse, puisqu'il a quand même quelques légendaires dans son deck. Par contre, une carte que j'avais pas mise dans le deck et que j'avais utilisée quand j'ai gagné la première fois, c'est Manipulateur sans visage.
La première fois où j'ai battu ce boss en mode héroïque, j'avais manipulateur sans visage, pardon. Et j'avais fait une copie de Kel'Thuzad. Pardon. Donc de Kel'Thuzad sur votre champ de bataille. S'il n'a pas de sort pour nettoyer tout le plateau, c'est GG, les doigts dans le nez, quoi. Voilà, et on se retrouve pour une troisième vidéo, pour le troisième et dernier boss de cette troisième aile en mode héroïque. A tout de suite.